Coris Bank ouvre une représentation à Bagré. L'objectif est d'apporter du soutien aux producteurs de la zone en partenariat avec Bagrépol. C'est le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw qui a procédé à l'inauguration de cette succursale de la banque à l'emblème de Cori. Nathalie Kaoré. L'agence Coris Bank internationale de Bagré représente un investissement de 200 millions de francs CFA. Cette institution financière n'a pas attendu d'être inaugurée ce 27 janvier avant d'accompagner les acteurs économiques et agricoles de Bagré. Déjà au titre de l'année 2013 et selon les responsables de cette banque, les crédits octroyés aux organisations paysannes se sont élevés à 1,493 millions de francs CFA. Et pour l'année 2014, les prévisions de financement ne seront pas inférieures à 1 milliard. Le chef du gouvernement est allé traduire sa reconnaissance aux promoteurs de cette banque qui apporte un soutien important au secteur agricole à Bagré et dans d'autres localités du Burkina Faso. Je suis venu féliciter vraiment Coris Bank d'avoir donc accepté d'implanter une agence à Bagrépol. Vous savez, j'ai dit que c'était un pôle de croissance, ce qui veut dire nécessairement un besoin de financement. Besoin de financement pour les exploitants, besoin de financement pour la population qui est ici. Donc il fallait qu'une banque prenne le risque de venir s'installer ici. Coris Bank l'a fait, c'est une très bonne chose. Et déjà, bien avant même d'arriver ici, Coris Bank avait déjà financé pour près d'1,4 milliard de francs CFA pour soutenir des activités agricoles. Et cette année, ils pensent que les crédits qui vont être octroyés vont atteindre les 2 milliards. C'est une voie que Coris Bank indique aussi aux autres banques et je souhaite que celle-ci également emboîte ce pas parce que le secteur agricole, c'est un secteur d'avenir de notre économie. Les responsables de Coris Bank internationale disent être conscients des enjeux économiques que représentent le secteur rural et les institutions de microfinance pour le développement du Burkina Faso. Ils promettent continuer dans cette dynamique et participer ainsi à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la sécurité alimentaire au Burkina.